Je me présente d'abord, comme ça a été annoncé dans le programme, Valéa Kerman, d'Escrucy, et nous sommes coordinateurs de ce débat avec deux autres associations, Unis pour l'Ukraine et pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, ce qui est un slogan très important. Je suis entourée ici par quatre personnes qui vont prendre chacun la parole. Et une fois que cette prise de parole sera terminée, vous pourrez poser vos questions. J'espère qu'on aura le temps de le faire. Donc, à ma droite, il y a M. Alain Madelin, ancien ministre, qui est très impliqué dans ce combat pour les enfants et qui va nous proposer en quelque sorte ses recettes pour un combat politique, pour mobiliser les hommes politiques en France, dans les pays européens, dans le monde occidental, bien sûr en Ukraine, parce que c'est un énorme combat. À sa droite, il y a Maître Seba, qui, ensemble avec Maître Daoud, qui a été annoncé, mais qui a dû partir à l'étranger, et donc il va suivre nos débats par visioconférence. Maître Daoud a déposé donc le dossier concernant les enfants déportés à la Cour pénale internationale. Et Maître Seba va nous raconter quelles sont les démarches qui ont déjà été faites et qui seront faites. À ma gauche, il y a le docteur Goltz, qui est, lui, pédopsychiatre célèbre, qui s'occupe d'un aspect très particulier de cette affaire, à savoir la souffrance de ces enfants qui sont déracinés, à qui on oblige de changer de langue, qui entrent et se retrouvent dans un environnement probablement souvent hostile, surtout pour les enfants un peu plus grands qui résistent à la russification forcée. Et il s'agit de traumatismes probablement à vie. Donc il nous en parlera. Et en fait, à la gauche du docteur Goltz, c'est Sylvie Rollet qui préside l'association donc, qui s'est formée à partir d'un collectif d'universitaires et qui se bat, cette association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, pour justement le sort de ces enfants. Et peut-être, avant de vous montrer l'adresse qu'a enregistrée pour nous Daria Gerasimchuk, qui en fait a été chargée par le président Zelensky de suivre cette affaire des enfants. C'est une sorte d'ombudsman aux affaires de l'enfance. Donc, elle va introduire ce débat. Elle nous a envoyé son enregistrement. On n'était pas sûr, étant donné les coupures d'électricité, etc., qu'on puisse l'avoir comme ça, de vive voix. Et donc, on a préféré qu'elle enregistre son message. Et encore avant de commencer, je veux peut-être vous dire quelques mots très brièvement. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et ce rapt d'enfants n'est pas nouveau non plus. Les exemples les plus horribles datent en fait des deux régimes totalitaires du XXe siècle, le régime nazi et le régime soviétique. Le régime nazi avait un programme eugénique qui s'appelait Lebensborn, donc source de la vie, qui favorisait en quelque sorte la naissance d'enfants chez les femmes allemandes non mariées, une usine à enfants. Mais ce n'était pas suffisant, les pertes de l'armée nazie étaient énormes.
Et donc, ils ont commencé à pratiquer le rapt d'enfants et ils en ont volé entre 350 et 400 000. Et notamment 200 000, peut-être même plus, de Pologne, 50 000 de l'Union soviétique, mais aussi de la Tchécoslovaquie, occupée de la Yougoslavie et d'autres pays, avec le critère racial. Ça devait être des enfants blonds avec les yeux bleus qu'on pouvait faire passer pour les enfants allemands. Et donc, je ne vous raconte pas les détails, mais en fait, les détails sont extrêmement cruels. Vous pouvez commencer par regarder dans Wikipédia qui renvoie à d'autres sources. Et il faut dire que seuls peut-être 15% de ces enfants ont été retrouvés et beaucoup ont péri ou ont subi un sort très cruel. Parce que, imaginez, un enfant polonais, tout blond et yeux bleus, arrive en Allemagne, mais il ne parle pas un mot d'allemand. Et donc, les parents adoptifs ne l'aiment pas nécessairement. Les enfants à l'école ne l'aiment pas nécessairement. C'est souvent des souffres-douleurs. Et donc, ce sont des enfants, on a des témoignages, qui ont conservé pour toute leur vie des traumatismes. Et il faut dire que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants ukrainiens qui se retrouvent en Russie, séparés de leurs parents, séparés de leurs proches, de leur langue, et qu'on oblige à adopter une autre identité, identité russe. Et c'était aussi la pratique, c'était les critères de race, on peut dire. En Union soviétique, c'était des critères de classe, à savoir, il y avait, comme vous savez, pendant les grandes purges en particulier, mais pas seulement, des millions de personnes qui ont été les uns fusillés, les autres envoyés au goulag. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient orphelins ou qui étaient séparés de leur mère parce que la mère était envoyée au camp en tant qu'épouse d'un ennemi du peuple et donc ennemi du peuple elle-même. Ces enfants, eux aussi, ont été dispatchés dans des orphelinats. Certains ont été adoptés. Très souvent, on leur a changé les noms, comme on le change maintenant aux enfants ukrainiens, comme les nazis changeaient les noms systématiquement en donnant, au lieu de noms slaves, les noms allemands. Et donc, là aussi, il y a beaucoup d'enfants, probablement des dizaines de milliers, voire plus, qui n'ont jamais pu retrouver leur famille. Et quand ils étaient très jeunes, ils n'avaient plus, après, aucun souvenir. C'était juste de la souffrance pour les familles. Donc, nous sommes devant un phénomène extrêmement grave. Je vous rappelle aussi que l'un des procès de Nuremberg, parce qu'il y avait un procès pour les grands criminels, mais il y avait aussi d'autres procès autour. Et donc, le huitième procès de Nuremberg était consacré justement à notamment ces rapts d'enfants et il y avait beaucoup de gens, vous pouvez très facilement trouver tout ça sur Wikipédia, qui ont été reconnus coupables. On parlait de génocide, finalement, c'est la définition crime contre l'humanité qui a été retenue dans ce procès. Peut-être il y avait une résistance soviétique, je ne sais pas, mais en tout cas, selon les définitions du droit international, il s'agit bel et bien du génocide, c'est-à-dire la privation d'une population de son identité et d'autant plus qu'il s'agit d'enfants. Donc, ce que nous attendons aussi de cette soirée, c'est que, à la suite des paroles des participants et vos questions, qu'on puisse peut-être trouver quelques pistes parce que c'est un travail extrêmement complexe. Ces enfants, il s'agit de centaines de milliers d'enfants aujourd'hui, il faut les retrouver, identifier et retrouver à qui ils ont pu être donnés, dans quel orphelinat ils ont pu être placés, etc. Donc c'est un travail collectif, très lourd,
qui prendra beaucoup de temps et on ne sait pas quel pourcentage des enfants pourra être trouvé. Je crois que pour les enfants volés par les nazis, on a retrouvé quelque chose comme 15% seulement. J'espère que dans notre cas, ce sera bien davantage. Je vous remercie d'être venus très nombreux. Et donc, nous allons écouter ce message de Daria Erasimchuk. Nous allons nous mettre un peu de côté pour que vous puissiez voir les sous-titres qu'on a eu le temps de faire. Шановні учасники, перш за все, дозвольте подякувати кожному, хто доєднався до цієї події. Адже, можливо, саме сьогоднішні дискусії дозволять нам знайти відповіді на питання щодо долі українських дітей, вкрадених Росією, та можливі шляхи їх порятунку. Війна ранить не лише кулями чи ракетами. Навіть якщо тіло дитини не понівечене снарядами чи кулями російських загарбників, кожну українську дитину влучила війна, яку розпочали рашисти. Кожна з 7,5 мільйонів дітей, що мешкали на території України до початку повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року, постраждала. Але є серед жертв війни рашистів проти України діти, яких ми змушені рахувати окремо. Це діти, яких вбили рашисти. Діти, яких вони уразили фізично. Діти, яких вони позбавили батьків, дідів, близьких. Діти, яких вони вкрали і вивезли з України. Розлучили з батьками під час так званої фільтрації. Станом на сьогодні нам точно відомо про 453 дитини, що загинули. І 879 поранених. Ми вже змогли верифікувати особисті дані щодо 13899 дітей, яких примусово перемістили чи депортували з території України російські військові. Кожна з історій повернення Кіри, Іллі, Сашка, Сергія та інших 125 дітей, яких вдалося повернути на територію України, унікальна. Я розповім лише дві. Сашкові на той момент було 11 років. Він разом з мамою, відчимом та маленькою сестричкою саме на момент повномасштабного вторгнення жив в Маріуполі. Наприкінці березня Сашко потрапив під обстріл і отримав травму ока. Важку травму. В пошуках медичної допомоги вони з мамою опинилися в підвалах заводу Ілліча. З комбінату імені Ілліча вони потрапили до рашистів. І ось, власне, що пригадує сам Сашко. Коли потрапили до лап рашистів, нас везли кудись на КАМАЗах. Привезли в якісь ангари. Там були всі військові. А потім сказали здати телефони. А наступного дня вже повезли нас із мамою в Безіменне. Її там допитували, може, години три. Я сидів, чекав, а потім її повели кудись. Далі приїхала Новоазовська служба у справах дітей і мене забрали. Вони сказали, що мама приїде, може, днів через три. Я чекав, а вона так і не приїхала. Отже, матір і сина розлучили під час фільтрації, так званої фільтрації. Хлопчика забрали до Донецької лікарні, де розповідали, що мама його кинула і не приїде, і що його віддадуть в прийомну російську родину. На щастя, Сашкові вдалося повідомити бабусі, що залишилась на підконтрольній Україні території, своє місце знаходження. Хлопчика вдалося повернути, і зараз він живе зі своєю бабусею, а де нині мама Сашка, досі невідомо. Останній, кого нам вдалося повернути, це 16-річний Сергій. І, власне, про нього моя друга історія. Його батьки померли незадовго до російського вторгнення. І хлопчик разом зі старшими братами та сестрами мешкав під Маріуполем у селі Нікольське.
Його сестра, як повнолітня, мала змогу доглядати за ним, але окупанти витягли його прямо з дому. Вивезли до окупованого Донецька, а потім до інтернату в Ростові-на-Дону. Там він дізнався, що його хочуть влаштувати в прийомну сім'ю. Він не хотів цього, але росіяни силоміць загнали його під Москву. Вони сподівалися легко зламати підлітка. Вступив би до технікуму і став би механіком. Українські діти легко асимілюються. Саме це повторює російська пропаганда прямо на кожному кроці. Але Сергій не збирався відмовлятися від своєї ідентичності. Він хотів повернутися в Україну і був готовий за це боротися. Вирішив, що стане невидимим для своєї нової сім'ї. Він не розмовляв з ними і не привертав до себе уваги. Чекав слушного моменту, щоб почати діяти. І його план спрацював. І зараз він вже в Україні і вже отримав український паспорт. Лише цих двох історій достатньо, щоб чітко усвідомити, що рашисти не рятують, а саме викрадають українських дітей. Станом на 11 січня 2023 року, за даними російських медіа, які посилаються на оборонні відомства країни-окупанта, до Російської Федерації у незаконний спосіб було примусово вивезено понад 721 тисячу українських дітей. Щодня в медіа країни-окупанта публікуються новини про депортацію та примусове переміщення тисяч українських дітей до Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України. При цьому така інформація подається як порятунок чи благородний вчинок. Всі випадки примусової депортації українських дітей фіксуються на державному порталі «Діти війни», і дані оновлюються щоденно. Нагадаю, що поки лише 125 дітей вдалося повернути в Україну, а ще практично 14 тисяч дітей чекають на нашу з вами допомогу. І це лише ті, про яких нам відомо за фактами, викладеними в заявах до Національного інформаційного бюро. А ще сотні тисяч українських викрадених дітей досі залишаються невідомими. Тож існує нагальна потреба спільно та дієво реагувати на цю жахливу ситуацію. У цьому зв'язку закликаю рішуче засудити злочини, які вчиняє Російська Федерація проти України і українських дітей, та закликати росіян негайно зупинити геноцид українського народу. Вжити всіх можливих заходів для встановлення місць перебування українських дітей, які були незаконно депортовані з території України, залучивши до цього процесу всі можливі структури та сили. З урахуванням положень резолюції Генеральної асамблеї ООН «Агресія проти України» від 2 березня 2022 року та «Територіальна цілісність України. Захист принципів статуту ООН» від 12 жовтня 2022 року посилювати політичний тиск на Росію задля забезпечення негайного і беззастережного скасування нею рішення про спрощення процедури отримання громадянства Російської Федерації для українських дітей зі статусом сироти або дітей, які залишились без піклування батьків. Всебічно сприяти органам ООН та профільним міжнародним організаціям в отриманні повної інформації з питань захисту дітей, які були депортовані до Росії, у тому числі про тих дітей, які згодом були усиновлені або передані до прийомних російських родин, задля скасування цих незаконних рішень та негайного повернення дітей додому. Наша мета – повністю припинити насильницьку передачу або депортацію дітей України до Російської Федерації та вжити всіх необхідних заходів задля їх безпечного повернення та воз'єднання сімей відповідно до інтересів дитини та до міжнародного права. Мандат Міжнародного комітету Червоного Хреста та його повноваження, які базуються на міжнародному гуманітарному праві Женевських конвенцій, зобов'язує цю організацію захищати жертви міжнародних збройних конфліктів. Тому ми вже пропонували і все ще пропонуємо розглянути можливість Червоного Хреста розпочати дії щодо місцезнаходження примусово переміщених дітей. Можливо, саме ви маєте відповіді, відомості, знання та пропозиції щодо структур ООН чи Європейського Союзу, які можуть взяти участь у цьому процесі.
Розраховуємо на вашу дієву підтримку та з нетерпінням чекаємо на ваші додаткові пропозиції. Захистимо дітей України разом. Сьогодні ми, дорослі, маємо акумулювати всі свої сили та ресурси для того, щоб вберегти життя дітей України, врятувати народ України, який потерпає від геноциду. Бо завтра це може бути дитина будь-якого іншого народу. Ви мене Comme je l'ai annoncé, c'est M. Madeleine qui prendra la parole. Et il a préparé aussi à votre attention un petit clip de 3 minutes qu'il va compléter ensuite par son intervention. Oui, ce que je voulais montrer en quelques images, parce que maintenant il faut communiquer en images, c'est la réalité de la déportation des enfants en Ukraine, telle qu'on peut essayer de la faire partager à des compatriotes qui ne savent pas très bien ce qui se passe, qui n'ont pas encore été vraiment atteints par le message de l'horreur de cette déportation. Et c'est vrai en France, mais ce n'est pas seulement vrai en France, c'est vrai aussi chez quasiment tous nos partenaires européens. La cause de la défense des enfants ukrainiens déportés de force en Russie, elle touche les cœurs, elle fait remuer les consciences quand on la connaît. Encore faut-il la connaître, et c'est la raison pour laquelle je vous ai préparé ce petit clip. Peut-être peut-on le mettre dès le début, ça fera une excellente introduction à ce que je souhaite vous dire ensuite. Donc, la question importante, c'est que la guerre d'Ukraine et ses déportations d'enfants sont une cause politique bien évidemment très forte, puisqu'ils se battent pas seulement pour leur liberté, mais ils se battent aussi pour la nôtre. Et je voudrais ici saluer particulièrement Sylvie Rollet, qui a pris l'initiative de... Que sont devenus Anna, 12 ans, Rinat, 5 ans, Zlata, 4 ans, Chéri, 16 ans, Anastasia, Dmitro, Ilia, Maria, Varvara. En Ukraine, des dizaines de milliers d'enfants ont été arrachés à leur terre natale, déportés seuls ou avec leur famille au plus profond de la Russie. Oui, en Ukraine, les soldats russes raflent les enfants dans les crèches, dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les écoles et même dans les colonies de vacances. Sous prétexte humanitaire, des populations sont déplacées de force vers la Russie. Elles passent d'abord par des camps de filtration où les Ukrainiens sont fouillés et questionnés. On les trie. Les mauvais Ukrainiens, partisans de la liberté et de la démocratie, sont séparés de leurs enfants avant de connaître eux-mêmes un triste sort. Par bus, par train, par avion, les enfants isolés ou avec leurs familles sont dispersés dans l'immense Russie jusqu'aux confins de la Sibérie. Ils sont un butin de guerre. Des familles russes sont recrutées et payées pour adopter des enfants ukrainiens. On leur distribue en grande pompe des passeports russes qui parfois modifient leur état civil. Ils vont être désukrainisés et russifiés à marche forcée pour effacer leur langue, leur passé et entrer dans l'empire du mensonge. Les récalcitrants sont envoyés dans des camps militaires en Tchétchénie. Cette odieuse déportation des enfants a été décidée par Poutine avant même l'invasion de l'Ukraine. Il en a confié l'exécution à sa commissaire aux droits des enfants, Maria Lvova-Belova, placée directement sous ses ordres. Et ce n'est qu'un début, car elle le dit elle-même. « Nous ne prenons que des choses qui nous appartiennent. Nous avons commencé artisanalement. Nous devons poursuivre industriellement. » En droit international, déporter des enfants, vouloir éradiquer un groupe national, est plus qu'un crime.
c'est un acte de génocide. Alors, il faut agir pour mobiliser l'opinion publique, pour que les gouvernements, instances internationales, organisations humanitaires exigent qu'on recense les enfants déportés et qu'on organise leur rapatriement. Pour qu'une justice internationale se saisisse rapidement de ces crimes afin que les instigateurs, les acteurs et les complices de ces déportations comprennent qu'ils devront rendre des comptes. Nous sommes la voix des enfants ukrainiens. Il n'y aura jamais de paix juste sans le retour de ces enfants volés. À bientôt les enfants. Ben, j'ai le sentiment d'avoir tout dit, ou presque. Ce clip, c'est un acte militant. Il est à votre disposition, c'est votre clip. C'est le clip de tous ceux qui veulent faire vivre cette cause de la déportation des enfants ukrainiens en Russie. Ce clip, il peut être utilisé, il doit être utilisé, nous allons l'utiliser. Auprès des artistes, des sportifs, de tous ceux qui ont des millions de followers sur les réseaux sociaux, de façon à ce qu'ils puissent mettre ce clip, un petit mot de recommandation, une petite vidéo, et faire en sorte que, eh bien, cette information sur la réalité de la déportation des enfants, et plus encore sur les bourreaux qui sont derrière, pénètre en profondeur la société française. À mon avis, c'est cela qu'il faut faire, parce qu'on se dit, qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? C'est d'abord quand même juste un mot, la vérité sur les chiffres, parce que les choses ne sont pas claires. 13 000 enfants, un peu plus, recensés sur le site de Children of War. Ce sont essentiellement les enfants qui ont été raflés dans les orphelinats, les hôpitaux, un petit peu sans doute aussi les colonies de vacances, dans les territoires occupés. Mais la réalité, elle est bien plus grande, parce qu'on sait, d'après les chiffres des Russes eux-mêmes, qu'il y a davantage de jeunes qui ont été déportés dans des orphelinats de ces territoires occupés. À cela, il faut ajouter, à mon avis aussi, la pression extrêmement forte qui est faite dans une sorte de chantage aux enfants. Zaporijja, il faut faire marcher l'usine nucléaire pour les Russes. On prend les enfants, on revient vers le personnel, on lui dit maintenant, si vous voulez avoir vos enfants, vous signez un contrat avec la Russie, et vous prenez un passeport russe. Je dis ça parce que c'est quelque chose que l'on va retrouver sans doute partout. On n'en a pas encore vraiment pris conscience. Mais cela signifie qu'un parent qui voudrait déroger un tout petit peu à la russification forcée de ses enfants dans les territoires occupés, il prend le risque qu'on lui dise « Mais vous privez votre enfant de bons soins, et donc on va vous le retirer. » Des parents qui sont déportés avec leurs enfants dans la Russie profonde, ils sont obligés eux-mêmes, même s'ils n'en ont pas envie, de se comporter en bon russe et d'accepter le bourrage de crâne de leurs enfants, parce que s'ils ne le font pas, on leur retirera leurs enfants. Ce chantage, c'est un point, je crois, assez important dans la dénonciation des crimes qui sont commis en Russie. Il y a les camps de filtration. On en a dit un mot, vous l'avez vu. Ils ont été évoqués. Combien d'enfants ont été séparés à cette occasion ? On ne le sait pas.
Ce ne sont sans doute pas les chiffres les plus importants. Les chiffres les plus importants sont dans les familles qui sont parties en Russie, accueillies en Russie, déplacées, dit la propagande russe, car la propagande russe est très fière d'avoir accueilli à ce jour plus de 5 millions d'Ukrainiens, dont plus de 700 000 enfants. Ça, c'est le chiffre officiel donné par les Russes. Plus de 700 000 enfants. Alors, 700 000 enfants, comment trier tout cela? Il y a sans doute des familles russes pro-russes, mais qui ont de la famille russe proche et qui, par conviction peut-être dans certains cas, par lassitude dans beaucoup de cas, parce que leurs maisons ont été détruites, parce qu'ils n'ont plus la perspective de vivre dans leur commune ou dans leur ville, eh bien, se laissent partir vers la Russie pour refaire leur vie. Cela, on ne les compte pas. Mais sans doute la grande majorité, je parle sous le contrôle de beaucoup, je n'en sais trop rien, la grande majorité est une majorité de gens dont le départ a été forcé. Ils n'avaient pas le choix. Et quand vous forcez au départ, quand vous êtes déplacé, dans ces conditions, vous êtes vous-même déporté et vos enfants sont déportés. Si l'on admet que sur ces 700 000 enfants, la moitié, et à mon avis c'est plus, mais la moitié sont des enfants déportés, ça fait 350 000. Alors 350 000, ça nous donne le bon étiage, un peu plus, un peu moins, je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, on peut dire, comme le dit Zelensky d'ailleurs, qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'enfants qui sont déportés seuls ou avec leurs parents. Alors, il faut agir, bien sûr. Agir, c'est quoi? Agir, c'est, on le dit un petit peu dans ce clip, agir, c'est d'abord faire reconnaître, ou plus exactement, engager des procédures pour crime de génocide. Le crime de génocide, ce n'est pas facile. Tout au début, Zelensky avait évoqué le génocide. Moi-même, je disais, il pousse peut-être le bouchon un peu loin. Car nous avions des crimes de guerre, nous avions des crimes contre l'humanité odieux, mais ce n'était pas vraiment des génocides. La déportation des enfants, c'est un génocide. Cela est clair au regard de la Convention internationale de 1948. Des petites questions se posent. En principe, il n'y a pas besoin de destruction des enfants. Mais c'est aux avocats, aux juristes, d'essayer de faire le bon dossier pour dire qu'il y avait les faits, la déportation, l'intention de faire disparaître, non pas les enfants en tant que tels, mais l'enfant en tant que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Ukrainiens, pour devenir de vrais petits Russes qui pourront peut-être un jour retourner en Ukraine, faire la guerre à leurs cousins et lointains parents ukrainiens. Voilà, donc, le crime, la reconnaissance du crime de génocide. Deuxièmement, le fait de la mobilisation de l'opinion d'abord, pardon, la reconnaissance du crime de génocide, qu'il y ait très rapidement une instance, la CPI c'est long, un tribunal spécial sans doute, qui se saisisse de ce sujet de la déportation des enfants en mettant le mot génocide à côté. Pourquoi je dis cela? Parce que cela intimide. On sait très bien que des familles russes se sont posées la question, mais est-ce que l'on peut faire ça? Est-ce qu'on risque pas d'être poursuivi plus tard internationalement? Donc il faut intimider le plus rapidement possible. Il faut ensuite faire comprendre à nos compatriotes que ce n'est qu'un début, comme on dit dans le film. Ils ont l'intention d'aller plus loin et de rafler encore davantage d'enfants dans les territoires occupés. Et que c'est une raison, non-assistance à enfants en danger sinon, c'est une raison de tout faire pour libérer le plus vite possible ces territoires. Parce que ne pas les libérer, c'est livrer des populations d'enfants à la déportation. Il y a aussi sans doute le fait de pousser les responsables politiques à engager une pression internationale, de la communauté internationale, engageant l'UNICEF, engageant la Croix-Rouge, car quand même,
Dans ces camps-là, ils devaient recenser les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a besoin de savoir ce qu'ils ont dans leurs livres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils peuvent faire encore aujourd'hui. Voilà une belle action pour notre président de la République. C'est au moins aussi important qu'un accord sur les grains. Et il y a là, je prends cet exemple de l'accord sur les grains, il me vient à l'esprit, mais pour montrer que ce n'est pas totalement impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir un accord international sur les enfants déportés. Bien sûr, on sait très bien que la Russie ne le respectera pas. Mais ce que nous devons aussi dire dans cette mobilisation de l'opinion très forte qu'il nous faut réaliser, c'est que nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons jamais. C'est une cause trop importante. Et jusqu'au dernier enfant à recenser, jusqu'au dernier enfant à rapatrier, la Russie ne sera jamais en paix. Pourra faire des paix artificielles, mais elle ne sera jamais en paix dans la paix juste qui exige bien évidemment que ces crimes contre l'humanité, que ce crime de génocide sans doute soit poursuivi et que leurs auteurs soient condamnés. Merci. Merci beaucoup Alain Madelin pour cette belle représentation. Je voulais juste, avant d'introduire la partie pénale, si l'on peut dire, de cette triste affaire qui nous a réunis ici, de souligner que les pratiques de génocide contre le peuple ukrainien sont multiples. D'une part, quand Lvova Belova, donc la commissaire aux enfants, dit « nous ne faisons que reprendre notre chose », elle fait bien sûr allusion à la thèse de Vladimir Poutine, la thèse maintenant confirmée par cette annexion absurde de quatre régions de l'Ukraine, parce que donc on leur donne les passeports russes, ils sont considérés comme les Russes, et donc de leur point de vue, tout va bien. Mais ces déportations de la population, en effet, ils ont commencé même avant le début de la guerre. Vous vous souvenez qu'à quelques jours de la guerre, quand nous n'étions pas encore totalement sûrs que cette guerre allait éclater, on a déjà décrété la mobilisation des soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. On sait très bien que les déportations ont été forcées, mais on a aussi les témoignages comme quoi quand les Russes occupaient une ville ou un village, ils recensaient rapidement la population et faisaient signer à tout le monde, et les gens signaient parce qu'ils n'avaient absolument pas le choix, qu'ils allaient accepter l'évacuation si le besoin était. C'est-à-dire, formellement, ils ont des documents signés sous contrainte, on peut dire, mais qui acceptaient la déportation. Et donc, ça fait une partie seulement de ce désir de détruire l'Ukraine. D'une part, les déportations forcées de millions de personnes, dont plus de 700 000 d'enfants. D'autre part, les bombardements qui font fuir les gens en partie vers l'étranger. Et nous savons qu'il y a plusieurs millions d'étrangers qui se trouvent, d'Ukrainiens, pardon, qui se trouvent à l'étranger. Peut-être ils ne vont pas tous rentrer en Ukraine. Et donc, la destruction, elle se fait, les Russes veulent diminuer très fortement la population de l'Ukraine parce que ça sape la base aussi militaire de la nation et tout simplement ça diminue le nombre d'Ukrainiens qui sont élevés en tant que tels et qui peuvent vivre leur vie dans leur pays. Maintenant, les destructions des infrastructures énergétiques visent le même objectif, faire fuir encore et encore des populations vers là où ils peuvent. Pour certains, ça va être heureusement vers les autres parties de l'Ukraine, vers l'Europe, mais pour certains, ça va être aussi, parce que ce sera la seule issue, c'est de rejoindre la
Russie. Donc, c'est une entreprise qu'on n'a pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale, d'une tentative d'éradication de l'identité ukrainienne. Et dire que c'est grave, c'est encore ne rien dire. Et bien sûr, la déportation des enfants, c'est le maillon le plus tragique de cette réalité. Donc, je donne maintenant la parole à Maître Seba, qui ensemble avec Maître Daoud, donc ont déposé le dossier à la Cour pénale internationale pour qu'il nous explique sa démarche, pour qu'il nous explique quelles sont les possibilités d'action. Merci. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Je suis avec vous pour aborder peut-être plus en détail les questions juridiques et judiciaires qui ont été évoquées dans la présentation juste avant moi et la communication à la Cour pénale internationale que nous avons avec Maître Daoud au nom de l'association Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, déposée le 21 décembre au bureau du procureur de la Cour pénale internationale au sujet de la déportation des enfants ukrainiens. J'aimerais aborder avec vous trois points principaux. D'abord, quel est l'objet de cette communication et dans quel contexte elle s'inscrit aujourd'hui en Ukraine, où il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours, à la fois par les autorités ukrainiennes elles-mêmes, mais également par le bureau du procureur et par les Nations Unies et par des associations, des ONG, de la société civile. Donc, dans quel contexte cette communication s'inscrit ? Ensuite, nous avons essayé de qualifier dans cette communication la déportation et le transfert forcé des enfants ukrainiens comme un crime de génocide, ou en tout cas un des éléments constituant le crime de génocide, et également un crime contre l'humanité. Donc je reviendrai plus en détail sur les raisons pour lesquelles nous avons pensé que le transfert forcé des enfants ukrainiens vers la Russie peut constituer un crime de génocide. Et enfin, parce que ça a été un petit peu évoqué, nous verrons pourquoi la Cour pénale internationale, pourquoi nous avons choisi de communiquer vers la Cour pénale internationale et quels sont les avantages, les inconvénients de cette Cour par rapport à d'autres juridictions, par exemple une juridiction ad hoc, spécialement constituée pour ce crime. Donc tout d'abord, sur la communication que nous avons envoyée le 21 décembre. L'objet de cette communication est d'alerter le bureau du procureur sur les indices graves qui existent aujourd'hui sur la déportation des enfants ukrainiens. Comme vous le savez peut-être, le bureau du procureur a déjà ouvert une enquête le 2 mars 2022 au sujet de la situation en Ukraine. Et cette enquête est ouverte, c'est-à-dire que tous les crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale sont investigués par le procureur de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire le crime de guerre, le crime contre l'humanité et potentiellement le crime de génocide. Par définition, ces enquêtes de la Cour pénale internationale sont secrètes, confidentielles, donc nous ne savons pas quelles sont aujourd'hui les enquêtes, les hypothèses de travail avec lesquelles le procureur aujourd'hui enquête en Ukraine. Ce que nous savons, c'est que par la communication officielle du bureau du procureur, l'accent est surtout mis sur les crimes de guerre, ce qui avait évidemment attiré l'attention principale des médias au début du conflit. Donc l'objet de cette communication est bien de pousser le bureau du procureur à prendre en compte cette hypothèse de travail que le transfert forcé des enfants ukrainiens vers la Russie peut constituer un crime de génocide. Dans ce sens, notre communication s'inscrit véritablement dans un esprit de complémentarité avec les enquêtes qui sont aujourd'hui ouvertes en Ukraine. Les preuves que nous avons envoyées à la Cour pénale internationale sont principalement, voire exclusivement pour le moment, des preuves que nous avons trouvées en source ouverte, grâce à un travail de recherche que l'association Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre a mené
avec ses partenaires en Ukraine et ses partenaires de la société civile. L'objectif, c'est que la Cour pénale internationale, le bureau du procureur, se saisissent de cette question pour eux, avec les moyens qu'ils ont, avec les moyens d'enquête qui sont à leur disposition et l'accès au territoire ukrainien, puissent collecter directement les témoignages dont nous faisons part dans la communication et les collecter de manière sérieuse et de manière à ce que ces témoignages puissent servir dans un prochain procès devant la Cour pénale internationale, parce que les standards de preuve en droit pénal international sont extrêmement élevés. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, l'objet de cette communication est également d'alerter la société civile, les médias, et nous avons été contents, heureux, je crois, qu'un certain nombre de médias reprennent notre communication et notre saisine de la Cour pénale internationale, parce qu'il s'agit évidemment également d'intéresser le plus possible le grand public et les journalistes qui peuvent être sur place à ce problème. Donc cette communication, en quelque sorte, saisit le bureau du procureur de ces faits-là, du transfert d'enfants de l'Ukraine vers la Russie, des Ukrainiens vers les Russes. L'enquête est déjà ouverte. Nous ne sommes pas au courant aujourd'hui des hypothèses de travail du bureau du procureur. Ça reste confidentiel. Nous sommes en lien avec le greffe du bureau du procureur. Nous essayons de lui envoyer au fur et à mesure les éléments de preuve qui peuvent nous parvenir. Donc c'est une communication qui est vivante. Nous l'avons déposée une première fois le 21 décembre, mais elle a vocation à évoluer et à s'enrichir des éventuels témoignages, des preuves que nous pourrons retrouver et également des éléments que la société civile directement en Ukraine pourrait nous envoyer. Et ça reste évidemment très confidentiel, mais c'est un travail que nous menons. Deuxièmement, sur le crime de génocide, sur cette qualification de génocide qui, comme vous l'avez rappelé, est compliquée. Elle est difficile. C'est le crime qui est peut-être le plus difficile à caractériser en droit international pénal, notamment sur la question de l'intention génocidaire. Sur le clip que vous avez montré, vous avez parlé du transfert forcé d'enfants. Il est certain que le transfert forcé d'enfants constitue un élément sous-jacent du crime de génocide. C'est-à-dire qu'il est explicitement désigné comme pouvant être un des crimes qui, pris dans l'intention et dans le contexte d'une intention génocidaire, peut servir à qualifier le crime de génocide. Et comme vous l'avez remarqué également, il ne s'agit pas de dire que le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre, donc d'un groupe national à un autre groupe, ici les Ukrainiens vers la Russie, il ne s'agit pas de dire qu'il y aura une destruction totale de ces enfants, que ces enfants seront tués, mais bien de dire que par le transfert de ces enfants, c'est l'avenir même de la nation ukrainienne, c'est l'avenir même de l'identité ukrainienne qui est mise en danger. On fait la différence en droit international pénal entre la destruction physique du groupe, qui correspond à l'extermination pure et simple du groupe, et la destruction biologique du groupe. Et le transfert forcé d'enfants entre dans cette définition de destruction biologique du groupe, dans ce sens que, en disséminant les enfants d'un groupe vers un autre, en les envoyant vers un autre groupe, on rompt brutalement les liens générationnels, on dilue la nationalité, on dilue l'identité ukrainienne dans une autre, et on menace l'existence même du groupe visé. C'est dans ce cadre-là que le transfert d'enfants d'un groupe à un autre peut constituer un crime de génocide. Pour maintenant caractériser l'élément intentionnel du crime de génocide, il y a des preuves que nous pouvons mobiliser, et notamment l'existence d'un plan concerté au plus haut niveau, comme cela a été aussi montré dans le clip, directement par la présidence de la Russie, de la Fédération de Russie, et par les fonctionnaires russes, qui d'ailleurs ne s'en cachent pas,
d'un plan concerté pour transférer ces enfants dans l'intention de les désukrainiser, dans l'intention de les russifier. Il n'existe pas, en droit international pénal, ce qu'on peut appeler de génocide culturel. Il faut bien une destruction biologique du groupe. Mais viser la culture nationale, viser des éléments propres à l'identité nationale, peut servir cette fois-ci à caractériser l'intention génocidaire par le transfert forcé d'enfants notamment. Donc le plan concerté, l'intention de désukrainiser, de russifier une population et de viser tous les éléments qui font la culture ukrainienne peuvent servir comme des éléments probatoires pour caractériser ce crime de génocide. Enfin, j'aimerais donc revenir très brièvement sur les preuves que nous pouvons collecter et pourquoi la Cour pénale internationale. Donc, la Cour pénale internationale aujourd'hui est la seule Cour internationale qui a la compétence pour connaître du crime de génocide en Ukraine. C'est la seule. Il y a les autorités nationales qui peuvent, les juridictions nationales qui peuvent éventuellement se saisir de cette infraction. Il y a évidemment les autorités ukrainiennes, mais la Cour pénale internationale est aujourd'hui le seul forum, la seule juridiction qui existe pour poursuivre ce crime. C'est aussi la seule juridiction qui, à mon sens, a les moyens, aussi bien humains que financiers, et les compétences pour collecter ces preuves sur place, avec l'aide, encore une fois, d'autres équipes d'enquête, qu'elles soient nationales, mais également des Nations Unies. La commission d'enquête indépendante qui a été établie par le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies enquête en ce moment en Ukraine et dans son dernier rapport a bien précisé que dans les prochaines étapes de son enquête, elle allait s'intéresser justement au transfert d'enfants ukrainiens vers la Russie. Donc, ces différentes équipes d'enquête collaborent toutes ensemble, en tout cas on peut l'espérer, et la Cour pénale internationale apparaît aujourd'hui comme étant la seule juridiction qui est à même un jour de mener un procès et de traduire en justice les responsables. La création d'une cour ad hoc est également évoquée. Elle est surtout évoquée dans les médias et par les juristes au sujet du crime d'agression parce que la Cour pénale internationale n'est pas compétente pour juger de ce crime. Mais la création d'une cour ad hoc pour le crime de génocide est aussi une possibilité. Des difficultés d'ordre à la fois diplomatique, juridique et politique sont très importantes pour la création de cette cour parce qu'ils demanderaient qu'on bâtisse à partir de rien une cour qui serait capable de juger ces crimes. Et par ailleurs, il faudrait voir aussi comment et avec quel partenaire l'Ukraine pourrait établir cette cour. S'il s'agit d'une cour, il y a plusieurs types de tribunaux spéciaux. Elle peut s'adosser sur les Nations Unies, on sait que c'est compliqué. Elle peut s'adosser sur une autre instance internationale, comme l'Union européenne ou l'OSCE, par exemple. On sait aussi que c'est très compliqué. Et il n'est pas certain qu'une telle cour puisse, par ailleurs, bénéficier, comme la Cour pénale internationale, d'un accord international pour lever les immunités, notamment, qui pourraient protéger les plus hauts responsables russes. Or, la Cour pénale internationale, elle, n'a pas ce problème d'immunité. Donc voilà, cette communication a à la fois un objet juridique, mais également politique, d'alerter la Cour pénale internationale et le grand public sur ce problème et de qualifier juridiquement de génocide les actes qui sont en ce moment perpétrés en Russie. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître Seba. J'ai un peu évoqué dans mon introduction que cette séparation des enfants de leurs parents, de leurs proches, de leur milieu, de leur maison, de leur culture, est quelque chose qui laisse des traumatismes à vie
Et nous connaissons des exemples quand très tardivement, les enfants apprennent leur véritable identité et ça bouleverse généralement la vie de cette personne. Je donne la parole au docteur Golz qui va nous parler justement de la souffrance des enfants qui sont retirés à leur famille. Merci. Merci beaucoup. On entend ? Oui. Merci beaucoup. Écoutez, je ne veux pas être très long parce que je crois que je vais dire des choses qui tombent sous le sens, en quelque sorte. Hein. Mais je suis vraiment très heureux de m'associer à cette réflexion. Je remercie Pierre Hermann en particulier qui m'a recruté, si je puis dire. Parce que dans ce monde vraiment si inquiétant, si préoccupant, je crois que s'occuper de la vie psychique des bébés, des enfants et des adolescents est évidemment sans doute l'une des meilleures choses, les plus indispensables que nous ayons à faire tous ensemble. Voilà, donc je suis très heureux d'être là. J'y suis en tant que pédopsychiatre, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris-Cité, en tant que psychanalyste aussi, et je mesure vraiment l'intensité du désastre. Hein. C'est un désastre actuel, mais ce que je voudrais essayer de faire sentir aussi, c'est que c'est un désastre transgénérationnel qui nous attend, parce que ce sont des marques, des traces, des cicatrices, des souffrances, des douleurs qui vont s'imprimer pour une longue durée. Voilà, donc c'est un problème politique, on le sent bien, c'est un problème éthique, c'est un problème juridique, et j'y ajoute la composante d'un problème médical, mais vous allez voir, je crois que tout le monde a en tête un petit peu ce que je vais dire. Peut-être qu'en réfléchissant pour la tribune déjà et aussi ce soir, peut-être que j'ai un peu plus en tête les enfants les plus jeunes, mais enfin le désastre concerne tout le monde, mais enfin les enfants les plus jeunes posent des problèmes aussi un petit peu plus spécifiques. Et pour tout le monde, je le dis en introduction, ce qui est terrible, c'est qu'il va y avoir, il y a un risque aussi, on l'a vu dans d'autres catastrophes, non seulement de souffrance directe, mais plus indirectement aussi de créer la honte et la culpabilité d'être ukrainien. Et les enfants se disent, mais ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Ou ce qui m'arrive, c'est honteux, et je suis attaqué non pas sur ce que j'ai fait, mais sur ce que je suis. Alors, on a déjà vu ça dans l'histoire, c'est en train de se répéter sous nos yeux, ça a quelque chose de véritablement terrible. Voilà, alors vous m'avez demandé un petit peu d'insister sur les risques pédopsychiatriques. J'ai été assez longtemps membre du Conseil supérieur de l'adoption et puis j'ai eu la responsabilité du CNAOP aussi en 2005, le Conseil pour l'accès aux origines, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Donc je mesure tout à fait l'importance du droit à connaître ses origines. Et parmi les enfants qui sont déplacés et qui seront adoptés en Russie, je pense, là pour le coup je pense aux plus jeunes, certains des enfants vont perdre véritablement ce droit. Hein, et c'est une catastrophe en soi. Comment se construire quand on ne sait pas qui l'on est, quand on ne sait pas d'où l'on vient, et j'y ajoute quand on ne sait pas, quand on ne peut pas nous raconter même ce qui s'est passé. Parce que c'est ça. Bon, il y a des familles qui sont déportées avec les enfants. On a bien entendu ça à l'instant. Mais il y a des enfants qui vont être ou qui l'ont déjà été déportés et adoptés sans que les parents soient à leur côté et qui vont vraiment perdre quelque chose de leur enracinement entre humain. Hein. En France, on insiste sur les axes de la filiation. Là, c'est un thème d'ailleurs qui est vraiment à l'interface du juridique et du médical. C'est un thème vraiment très fort, la filiation. Il y a l'axe biologique, bon, je passe, c'est évident, qui nous a fait, qui nous a construit. Il y a l'axe légal, qui nous a nommé, qui nous a inscrit. Bon, il y a l'axe affectif, qui nous a aimé, pas aimé. De plus en plus, on insiste sur un axe qu'on appelle l'axe narratif. C'est-à-dire que derrière tout ça, il faut que quelqu'un puisse raconter à un enfant qui l'a voulu, qui ne l'a pas voulu, qui l'a porté, qui s'est occupé de lui au début, qui a assisté à la mise en place de ses premiers liens. Tout ça va être impossible pour un certain nombre d'enfants dont nous parlons ce soir. Donc c'est un premier désastre. Il y a la question maintenant très bien connue par les psychologues et les pédopsychiatres des carences affectives qui vont être multiples parce que nous on a parlé tout à l'heure de 14 000 enfants déplacés, déportés, adoptés.
Personne ne sait exactement dans quelles conditions ils vont être accueillis et ce qu'ils vont vivre. Alors là, les risques sont cumulés. Parce que dans les carences, on distingue aujourd'hui dans ma discipline ce qu'on appelle les carences quantitatives, effectives, avec une séparation brutale de l'enfant par rapport à ses repères relationnels habituels, et les carences plus qualitatives, qui sont tout aussi importantes, mais où il n'y a pas de séparation, mais où l'enfant a affaire à des adultes trop préoccupés, trop en souffrance eux-mêmes, trop malheureux, pour qu'ils puissent s'occuper d'eux de manière vivante et chaleureuse, et enfin, disons, habituelle. Et là, je crois que dans nombre d'histoires de ces enfants déportés, il va y avoir le cumul des deux, c'est-à-dire des carences mixtes, à la fois quantitatives, parce qu'il y a des séparations multiples qui leur sont proposées, imposées, et qualitatives, parce qu'ils vont tomber avant d'être adoptés dans des familles d'accueil, des camps de filtration, des lieux divers, où évidemment la qualité des soins risque de faire profondément défaut. Voilà, donc c'est vraiment ce risque carentiel. On parle un petit peu moins de carence aujourd'hui dans mon domaine professionnel, mais ce n'est pas parce que les mots disparaissent que les choses disparaissent, malheureusement, et les carences existent, et là, pour ces enfants-là, elles vont être maximum. Alors, pour des choses peut-être dans des termes un peu plus actuels, plus modernes, vous savez qu'aujourd'hui, on parle moins d'autisme, mais on parle de troubles du spectre autistique ou de troubles neurodéveloppementaux. Le modèle actuel de ces troubles neurodéveloppementaux est un modèle mixte. Probablement ne s'autistise pas qui veut. Il faut sans doute avoir une partie des facteurs de risque génétique internes qui nous appartiennent. Mais les facteurs d'environnement et ce qu'on vit a son rôle à jouer quand même. Je rappelle que quand les orphelinats de Roumanie ont été ouverts, donc des enfants étaient entassés dans des pouponnières parce qu'il y avait un nombre maximum d'enfants par famille. Donc ils étaient, dès qu'il y avait un deuxième, un troisième, un enfant de trop, ils étaient enlevés, séparés des parents et placés dans des pouponnières. Dans des conditions vraiment physiques et psychologiques très, très difficiles. On a vu réapparaître des images historiques comme René Spitz les avait décrites à propos des carences, justement, des enfants. Donc, on s'occupait d'eux. Ils ne mouraient pas, on leur donnait à manger, mais on s'en occupait comme des choses. On n'avait pas le temps de leur parler, pas le temps de s'en occuper vraiment. Et quand on a ouvert les orphelinats de Roumanie, 100% des enfants étaient carencés. Bon, ça va de soi, d'autant plus qu'à l'époque, les personnels avaient du mal à s'occuper d'eux parce qu'il y avait une épidémie de sida et que ces personnes roumaines, pas plus mauvaises ou bonnes que vous et moi, mais n'osaient plus toucher les enfants par peur de se contaminer. Donc tous les facteurs de risque étaient rassemblés. Ils étaient 100% carencés, mais 30% d'entre eux étaient autistes. 30%, c'est énorme hein, par rapport à la population générale. Alors, ça montre bien que tous ne s'étaient pas autistisés, mais 30%, c'est énorme. Et c'est ça qui attend, je crois, un certain nombre des enfants dont nous parlons ce soir. Donc, pour les pédopsychiatres dont je fais partie, c'est vraiment une hantise, cette histoire-là. Et puis, à un degré divers, je m'arrêterai là-dessus, après avoir parlé de droit à l'origine, de l'axe narratif, des carences, des troubles neurodéveloppementaux, peut-être moins grave, mais très grave quand même, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les inscriptions en termes de syndrome de stress post-traumatique. Même les enfants qui seront accueillis dans des conditions à peu près acceptables vont avoir vécu un transfert, un transport, une déportation extrêmement dure, douloureuse, chaotique, et tout ça va s'inscrire en eux pour des décennies, et des risques de transmission intergénérationnelle. Vous savez que à propos de la Shoah, il a été démontré maintenant très clairement que les petits enfants des personnes déportées qui n'avaient donc pas vécu la Shoah elle-même, et à qui d'ailleurs on n'en avait pas forcément tellement parlé, eh bien, ont quand même développé des caractéristiques biologiques du stress à leur insu et dont ils sont porteurs. Hein. Voilà, donc aujourd'hui on va vers une période où sans doute l'épigénétique va beaucoup se développer, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur les caractéristiques biologiques d'un individu. Ces enfants-là sont exposés à une épigénétique pour le moins qu'on puisse dire à haut risque. Voilà,
Donc, il se trouve que l'année dernière, j'ai mis en place un institut contemporain de l'enfance, pour essayer de veiller à la qualité du soin et du prendre soin des bébés, des enfants et des adolescents. Là, on a certainement un rôle à jouer. Alors, là-bas, ou peut-être même pour ceux qui sont ici, je ne sais pas, il faut y réfléchir. En tout cas, merci de votre attention. Merci beaucoup au docteur Goltz qui nous rappelle en effet les conséquences à long terme de ces enfants, pour ces enfants eux-mêmes, la souffrance qui inévitablement accompagne cette déportation. Et je dirais peut-être encore un mot, il est important de comprendre que l'Ukraine était déjà dans une situation démographique pas très favorable, et donc perdre des millions de sa propre population et une quantité qui se mesure à des centaines de milliers d'enfants, ça sape sérieusement l'avenir de la nation ukrainienne. Et en même temps, la population russe se trouve aussi dans ce qu'on appelle un trou démographique, parce que c'est maintenant les enfants, en quelque sorte, qui sont nés dans les années 90, quand il y avait beaucoup de chaos, beaucoup de pauvreté. Donc, les femmes en état de procréer ne sont pas assez nombreuses. Et malgré toutes les incitations, la natalité reste basse. Elle ne couvre pas la mortalité. Donc, je pense que dans ce plan assez machiavélique, il y a aussi le désir de renflouer aux dépens de la nation ukrainienne, donc le peuple russe, et de former, comme d'ailleurs le souhaitaient les deux régimes totalitaires dont j'ai parlé au début, régime nazi et régime soviétique communiste, d'en former de bons petits soldats, non seulement russifiés, mais militarisés. Aujourd'hui, en Russie, il y a déjà 1 million de jeunes à partir de 8 ans qui sont embrigadés dans le corps qui s'appelle Jeune Armée, Youn Armée en russe, qui apprennent à partir de 8 ans à manier les armes et qui sont totalement endoctrinés. D'ailleurs, on a montré il y a 2 jours à la télévision russe un concert à Mariupol. Et donc, il y a un chanteur très populaire en Russie, un grand patriote chaman, qui est arrivé à Mariupol pour donner un concert. La salle applaudissait très chaudement et 2/3 de la salle portaient déjà les uniformes de cette jeune armée. Donc, en fait, le dessein machiavélique, c'est de voler les enfants ukrainiens pour en faire ensuite des soldats russes qui pourraient combattre l'Ukraine. Je donne la parole à Sylvie Rollet, qui a créé donc le collectif d'universitaires pour sauver les enfants ukrainiens. Et c'est ce collectif qui ensuite a été transformé en association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. Voilà, Sylvie. Merci. Non, vous voulez le mien ? Merci Galia. Alors, effectivement, je suis la seule à cette table qui n'est pas une experte de chacune des questions que posent ces déportations, adoptions forcées, etc. Disons que je représenterais plutôt le côté de ceux qui tentent de faire quelque chose et de rassembler au maximum les forces pour faire quelque chose. Le but de ce collectif d'universitaires d'abord, mais je dirais aujourd'hui, il y a au moins autant de non-universitaires que d'universitaires dans l'association. Le but, c'est vraiment de tenter d'aider l'Ukraine dans tous les domaines, pas seulement la question des enfants, même si c'est la question des enfants qui nous importe ce soir, et c'est d'elle que je parlerai. Mais il y a évidemment d'autres possibilités d'aide que vous pourrez retrouver si vous vous connectez sur le site de l'association. Alors, concernant les enfants, effectivement, la campagne, on a commencé, je réfléchis quasiment à haute voix, c'est-à-dire
Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? On a commencé en disant qu'est-ce qu'on peut faire. On avait tout à fait conscience que c'était quelque chose de l'ordre du génocide qui se jouait. On connaissait assez bien l'histoire russe pour avoir, et la Shoah pour avoir quelques modèles en tête. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la première chose, ça a été évidemment la tribune que je remercie d'ailleurs Bernard Golz d'avoir signé tout de suite, la tribune qu'on a publiée dans Le Monde. Puis une pétition internationale. Aujourd'hui, il y a 180 000 signataires. Elle peut encore rassembler d'autres signataires. Il faut la faire connaître. Elle a été réalisée, éditée en 30 langues. Donc, elle est disponible, je dirais, pour tous les peuples européens et même au-delà. Elle est soutenue par des membres de la société civile, des membres du monde, des grandes figures du monde de la culture, des élus, des parlementaires européens, etc. Je pense que voilà, c'est l'aspect opinion publique, c'est l'aspect masse, on va dire, qu'on tente de mobiliser sur cette question. Et puis, il y a évidemment aussi la presse, voire même, les médias, visuels. Effectivement, Maître Seba l'a rappelé, Maître Daoud a été invité pour parler de la communication à la CPI sur des plateaux télé par des radios. Mais bon, le tempo des médias, c'est pas du tout le nôtre, ou du moins c'est pas celui des enfants. Les enfants, il faudrait les sauver très vite. Les médias, une fois qu'une page est tournée, hop, on passe à une autre. Donc on peut pas vraiment compter sur la mobilisation des médias, même si on peut relancer de temps à autre parce qu'il y a du nouveau. Mais c'est tout. Donc il faut compter sur quoi? Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, il va falloir faire pression sur notre président, sur son ministre, sa ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Nous avons écrit au ministère il y a plus de 2 mois, sans aucune réponse. Alors que par ailleurs, les parlementaires, eux, nous recevaient, certains groupes parlementaires, bien sûr, les socialistes, les verts, un député MoDem, bon, pas les autres, on s'en doute. Mais bon, il y avait une réception du côté des parlementaires. Il y a une réception du côté du Parlement européen. Il y a un groupe très, mobilisé, qui s'appelle U4U, c'est-à-dire United for... Donc unité pour l'Ukraine, dans lequel donc figure le député Glucksmann, qui effectivement nous appuie. Mais il faut aller au-delà. Les parlementaires dans ce pays, nous le savons, ont assez peu de pouvoir. Donc c'est du côté du gouvernement qu'il faut agir. Et toute idée de pression possible pour se faire ouvrir même une petite porte à l'Élysée, nous la prenons. Voilà. Nous cherchons absolument à ce que cette question devienne une question centrale, d'autant que on a quand même 2 ministres des Affaires étrangères, l'un hollandais, l'autre, donc une femme allemande, qui aujourd'hui ont pris position en disant « ce crime est un crime de génocide ». Autrement dit, il y a des appuis européens possibles. Ce n'est pas que M. Macron serait tout seul, pas du tout, il ne serait pas tout seul, mais il pourrait même en prendre, la tête, pourquoi pas, s'il a besoin d'être reconnu. Mais en tout cas, nous comptons sur le fait que chacun de vous, chacun de nous, cherche un moyen pour faire que notre gouvernement prenne enfin en compte cette question. Voilà, je vous remercie, et je remercie... notre ancien ministre, de nous avoir prévu un clip que je trouvais extrêmement bien fait. Et ça, c'est le professeur de cinéma qui parle. Donc, merci beaucoup, Sylvie Rollet. Merci à tous les participants. Je pense que nous avons exactement une demi-heure, peut-être un peu moins, pour que vous puissiez tous présents ici partager vos idées et aussi poser les questions aux intervenants. Moi encore, de mon côté, je voulais dire que j'ai vu sur Facebook qu'il y a maintenant des groupes en Russie de bénévoles
qui aide des familles à quitter la Russie, qui collecte l'argent et qui aide à quitter la Russie. Je pense que c'est intéressant aussi de se mettre en contact avec ces groupes qui peut-être pourraient par ailleurs chercher des informations. Vous savez, ces enfants, ils sont quand même recensés quelque part. Ils sont recensés, par exemple, à Moscou, mais pas seulement quand ils arrivent dans les régions, etc. Ils sont recensés dans un site unique qui se trouve à Moscou, qui est un site totalement bureaucratique où figurent les enfants, les parents qui demandent des enfants et les enfants qui sont proposés. Parfait. Donc, voilà. L'avantage de la bureaucratie. Une idée de plus. On attend vos questions, vos réactions, monsieur. Est-ce que vous voulez que quelqu'un porte le micro ? Je m'en occupe, mais je ne sais pas. Ok, maintenant on nous demande juste de descendre de la scène, donc on va s'installer là devant le public parce que on va préparer la scène pour le concert qui commencera lui à 8h. Monsieur Madelin, Madame Ackermann, Madame Rollet, Docteur Kolb, c'est avec l'enthousiasme du Candide que j'ai écouté votre intervention. Puisque je vis en Ukraine depuis 6 ans, je suis représentant du mouvement des volontaires ukrainiens Pravi Sector. Je participe avec l'organisation que j'ai créée en France, FUVI, Fonds ukrainien des volontaires internationaux, à l'initiative Kick Russia Out of the UN, qui est soutenue par le mouvement sioniste ukrainien. Je travaille également pour le ministère de la Défense ukrainien et je suis en mission depuis 3 jours puisque je suis arrivé par bus puis par avion. Nous avons une initiative qui est parallèle à l'initiative de Maître Seba, de Maître Daoud, avec le cabinet Lignol à Paris. Nous travaillons, alors FUVI est la première organisation occidentale qui fait partie du conseil d'experts sur les droits de l'homme de la Verkhovna Rada. C'est la seule organisation occidentale. Nous sommes partenaires officiels également du prix Nobel de la paix, donc le Centre pour les libertés civiles d'Alexandra Medvedchuk. Donc je vis sous les bombes depuis plusieurs mois. J'étais auparavant officier supérieur de l'armée française et puis enfin directeur régional de l'OSCE, une des 10 organisations. Je vous déconseille de traiter avec cette organisation qui est éminemment corrompue. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Mais je vais me taire. Mais après ces belles interventions, j'espère qu'on pourra discuter ensemble, prendre contact. Nous organisons un grand gala. Bon, la présidente d'honneur de notre organisation est Alla Poedi, que vous connaissez. Nous organisons un grand gala à l'Automobile Club de France en mars. Il y aura des personnalités ukrainiennes. Nous avons également des initiatives culturelles et interuniversitaires pour lier le phénomène de génocide à la mémoire, le génocide actuel à la mémoire. Donc, Maître Lignol, qui est également professeur d'université à Créteil, va déclencher avec des universités ukrainiennes un colloque à cet effet. Donc on prendra contact avec vous si vous le voulez bien. Et puis, ça vous amusera sans doute. Bon, je dirige une organisation de fête qui a quand même entraîné 7000 combattants volontaires avec des instructeurs américains, anglais, canadiens, Légion étrangère française aussi, depuis le début du conflit. Cette organisation s'appelle le Bureau international ukrainien qui est marqué par la Croix de Lorraine, puisque... Ah, vous connaissez ? Oui, bien sûr. Ah bon ? Bernard-Henri Lévy, vous avez dit. Oui, non, Bernard-Henri Lévy, en fait, travaille avec un de mes camarades de promo. Ouais. Et Bernard-Henri Lévy, on lui a dit qu'il y avait une unité militaire. Ce n'est pas vrai. Il y a un bureau international qui est avec des internationaux et des Ukrainiens, mais on n'est pas loin du compte. Mais c'est bien de ça dont mon camarade parlait. Mon dernier point, ça vous intéressera sans doute, il y a désormais une version ukrainienne du chant des partisans qui a été enregistrée 2 fois par le
cœur Outsoul d'Ivano-Frankivsk, dans une version classique, et par la chanteuse Maxima, chanteuse ukrainienne, qui se produira donc en mars à l'Automobile Club de France. Voilà, j'ai dit, je vous remercie et je rends hommage à vos initiatives et j'espère que nous allons pouvoir travailler ensemble. Monsieur Madelin. Ben, merci beaucoup. Est-ce que il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Je vois déjà une main levée. C'est juste une simple question. Est-ce qu'on a des informations sur les camps de redressement, c'est comme ça que vous l'avez appelé, pour les jeunes ukrainiens récalcitrants en Tchétchénie? Donc c'est juste une question. La seule information, c'est la presse et les reportages donc russes, en fait, hein, sur ces fameuses, je dirais, institutions de redressement et de redressement militariste, on va dire. Hein. On ne travaille, et c'est pour ça que Maître Seba en parlait, on ne travaille que sur source ouverte aujourd'hui. On n'a aucun moyen. Quand je dis qu'il faut que nos gouvernements s'en emparent, ça veut dire qu'il faut aussi doter la CPI de moyens. Le procureur n'a pas les moyens d'aider les enquêteurs ou de lancer des enquêtes. Donc, voilà. Il faudrait qu'un enfant qui est passé par ces camps de redressement puisse être récupéré pour qu'on commence à avoir des informations. Voilà. Permettez-moi d'ajouter juste un mot. Je voulais le faire au début, mais le début, il a été un peu chaotique avec la vidéo, etc. Je voulais dire un grand merci à Jean-Marc Adolphe, parce que c'est un journaliste formidable. Il mérite un grand prix. Il est là. Ah, enfin, je le vois. Franchement, immense respect et très grand bravo pour le travail formidable que vous faites. Et justement, sur les camps tchétchènes, vous avez publié, etc., etc., mais vous allez le dire. Oui, justement, je voulais répondre, enfin, essayer de répondre à cette question. Bon, d'abord, effectivement, avec un site que j'ai créé récemment, il y a un an et demi, qui s'appelle Les Humanités, j'ai commencé dès le 24 février. Au début, j'ai dit, moi, je suis pas, je connaissais pas spécialement l'Ukraine, etc. Qu'est-ce que je peux raconter de plus que ce qu'on va trouver dans tous les médias, ou de mieux que ce que fait formidablement bien Desk Russie, voilà. Et puis, en commençant à chercher, à regarder, je dis, ah, ça c'est intéressant. Puis c'est des choses qu'on va pas forcément trouver dans les grands médias, non pas que ça soit censuré, mais il y a tellement d'informations que certaines informations qui peuvent paraître mineures passent un peu à la trappe alors qu'elles ne le sont pas. Et voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser très tôt, d'abord à la question des, par curiosité, à la question des camps de filtration, puis des déplacements forcés de population. Et la première question, c'est, on ne parlait pas encore de 5 millions d'Ukrainiens, c'était 1 million, 2, 1 million 3. Mais je me suis dit, mais ils sont où ces gens? Question bête que peut se poser un journaliste, ils sont où ces gens? Je n'ai pas le talent de Galia. Je ne suis même pas russophone, et donc j'ai commencé avec des traducteurs automatiques à aller à la pêche en faisant des recherches internet dans les journaux des médias russes. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la toute première mention, effectivement, de personnes déplacées en Russie dans un camp de regroupement qui était celui, de Taganrog, où là, il y avait eu un petit reportage dans un média local parce que le soi-disant représentant de la Croix-Rouge russe était rendu sur place, etc. Et puis, de fil en aiguille, est arrivé ce sujet des enfants. Alors, effectivement, je crois que j'étais le premier à déceler le rôle d'abord de Maria Lvova-Belova. C'était début septembre. Et, j'allais dire, au fur et à mesure, j'ai même hésité parce que je n'en croyais pas ce que je lisais. Je ne suis même pas tombé tout de suite sur, parce qu'il y a une mine extraordinaire, c'est son propre compte Telegram, parce qu'elle est très fière de ce qu'elle fait. Alors il y a celui de Kadyrov, mais non, le compte Telegram de Maria Lvova-Belova, elle est très fière de ce qu'elle fait. Là j'ai un nouvel article qui doit paraître demain où je cite notamment une enquête assez récente que vous devez connaître, Galia, d'une ONG ukrainienne qui s'appelle Media Detector, qui a analysé plus de 9000 messages postés sur des réseaux sociaux et des sites russes ou dans les territoires occupés. Et en fait, il y a une propagande qui a commencé, mais effectivement bien avant l'invasion,
qui, depuis, c'est ce qu'on appelle, vous connaissez ça mieux que moi, le mythe des 8 ans. C'est-à-dire toute une propagande qui consiste à dire pour le public russe que depuis 2014, les civils sont bombardés continuellement par l'armée ukrainienne et qu'il y a en plus des actes de cruauté incroyables vis-à-vis des enfants. Donc il y a question, il y a des récits inventés de toutes pièces qui parlent par exemple de soldats ukrainiens qui ont violé des enfants. Voilà. Et ça, c'est ce qui est servi, ce qui était avant même l'invasion du 24 février, à l'opinion publique russe. Donc Maria Lvova-Belova apparaît, mais tout ça effectivement est un plan concerté, comme ça a été dit, préparé de longue date. Il y a un système derrière, ce n'est pas la seule Lvova-Belova. Elle apparaît comme, au fond, la bonne dame patronesse, la sauveuse, qui va sauver ses enfants de ce climat terrible dans lequel ils sont plongés depuis 8 ans. Voilà, je ne veux pas être trop long. Et donc j'ai réussi au fur et à mesure, effectivement, à documenter comme ça beaucoup, beaucoup de choses. Sur la question du camp de Tchétchénie, bon, c'est moi qui l'ai trouvé. Là encore, en passant un temps fou à aller voir au petit bonheur la chance sur des sites russes, en mettant un certain nombre d'alertes Google en russe, moi qui ne parle pas le russe, donc je suis obligé à chaque fois de traduire, est-ce que c'est intéressant ou pas. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un camp, effectivement, en Tchétchénie, pendant une semaine, où ont été envoyés des adolescents, pas uniquement des adolescents du Donbass. Hein, il y avait aussi des adolescents de Russie, donc des adolescents récalcitrants qui passent là pour avoir une instruction militaire, pour qu'on leur réapprenne en fait le sens patriotique russe. Il y a sans doute eu d'autres camps en Tchétchénie. Sur toute cette question des déportations d'enfants, c'est très difficile parce qu'il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, par exemple, mais en gros, pas forcément dans le détail très précis et exhaustif, c'est que la plupart des enfants, ceux qui en tout cas ont été déportés après avoir été séparés de leurs parents ou présentés, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui ont été présentés comme orphelins alors qu'ils ne l'étaient pas, j'ouvre là une parenthèse, ça a été révélé par une enquête, je crois, de l'Institut Lemkin, si je me souviens bien, pour la prévention du génocide, avant même une semaine avant le 24 février, avant le début de l'invasion, la déportation en fait des enfants du Donbass a commencé une semaine avant. Et une administration dans ces territoires occupés avait été mise en place qui disait dans telle famille, tel homme est mort ou il a été mobilisé, donc la femme se retrouve seule, si elle n'a pas de ressources, donc les enfants sont déclarés privés de soins parentaux. Et un certain nombre d'enfants, au moins un millier, sans doute plus, ont été comme ça enlevés avant même le 24 février, sous un motif totalement fallacieux, donc ils n'étaient pas du tout orphelins. C'est une administration qui a déclaré, ceux-là, ils sont privés de soins parentés, donc on les envoie. Tous les enfants qui ont été donc déportés, ça fait partie de ce système de russification qui est mis en place, passent par des camps de, là je me tourne vers notre ami pédopsychiatre, vers des camps de réhabilitation sociale et psychologique. Dans l'esprit du système post-soviétique ou russe, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Donc, mais combien y en a-t-il exactement? Et ces camps sont financés par une... Ça aussi, c'est intéressant. Bon, je ne vais pas dévoiler tout ce que j'écris demain. Par une banque, qui s'appelle la Tikhov Bank, que vous allez connaître, qui était une banque en ligne créée par M. Tikhov, donc, qui a été obligé, parce qu'il était critique de l'intervention en Ukraine, il était obligé de céder toutes ses actions, donc il a perdu sa banque à un personnage que je trouve peu recommandable, que vous connaissez peut-être, qu'il est même présent à Paris au centre Pompidou, enfin à travers une collection qui a été léguée, c'est monsieur Vladimir Potanine, qui est l'un des plus importants, sinon le plus important oligarque russe, très proche de Poutine, qui a financé notamment les Jeux Olympiques de Sochi, et ben c'est Potanine qui a repris la banque de ce monsieur Tikhov et qui subventionne les camps de réhabilitation psychologique mis en place par les services de Madame Lvova-Belova. Voilà. Donc, combien y a-t-il aujourd'hui de ces camps? Et puis surtout, par rapport aux chiffres qui sont que vous avez tous rappelés, mais comme le disait très bien Alain Madelin, on ne sait pas pour le moment, la plateforme Children of the War recense, je crois, aujourd'hui près de 14 000 enfants. Ça, ce sont des enfants qui ont été identifiés, dont il y a le nom, le prénom, l'endroit où ils ont disparu, etc.
Mais les Russes disent 700 000 enfants aujourd'hui en Russie. Mais ils sont où? Et ça, on ne sait toujours pas quelle est la proportion de ceux qui seraient effectivement avec leurs parents. Et leurs parents, ils sont où? Aujourd'hui, j'ai vu quand même une information intéressante. Il y a des gens qui commencent à gronder un peu en Russie parce que il y aurait, je ne sais plus le chiffre exact, 280 000 orphelins, je crois, russes. Et ces malheureux orphelins russes sont en attente d'un logement, etc. Alors, il y a des réactions nationalistes racistes en Russie qui disent, enfin, c'est incroyable. On offre le gîte et le couvert à ces personnes qui viennent d'Ukraine et il n'y a rien pour nos enfants à nous. Enfin, voilà. Mais il y a encore plein de choses. Et parmi les juste pour terminer, ce qui a été dit, la pression, quand même, je pense que le rôle des médias est important, ne serait-ce que je crois que c'est très important, ce que disait Alain Madelin, que l'opinion publique soit vraiment, parce que la question des enfants, ça touche tout le monde. Donc, voilà, les journaux ont enfin commencé à en parler, les radios, les télés, mais je crois que c'est essentiel, quoi. Et donc, la conclusion, je ne sais plus. Oui, je rends le micro, mais juste la conclusion, les enfants. Ah oui. Non, Slava Ukraini. Non, deux instances qui, quand même, sur les pressions, oui, gouvernement, etc., bien évidemment, mais c'est quand même incroyable qu'au XXIe siècle, deux instances internationales comme l'UNICEF et la Croix-Rouge ne soient pas autorisées par la Fédération de Russie à, vous dites qu'il y a un fichier, etc., le fichier, il concerne les enfants adoptables ou adoptés. Mais les autres, il y a certainement des fichiers que la Croix-Rouge internationale et l'UNICEF ne soient même pas autorisés par la Fédération de Russie à avoir accès à ces informations, c'est un scandale monstrueux. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour me donner la parole. Je m'appelle Nadejda Kutipova, je suis réfugiée politique russe, je suis juriste et je parle ici au nom de l'association Russie Liberté, que vous connaissez je suppose, et au mon propre nom. À l'époque où je vivais en Russie, j'étais conseiller d'ombudsman de région Tchelyabinsk. Région Tchelyabinsk, c'est Oural, c'est 2000 km de Moscou. Et ma question aujourd'hui, je voudrais connaître, est-ce que vous avez déjà des données à propos par quelle manière ces enfants deviennent russifiés? Parce qu'en Russie, il y a deux types d'adoption. Tout d'abord, les enfants peuvent être posés sous soit tutelle, soit curatelle. Et deuxième chose, c'est proprement adoption. Ça dépend de situation. Est-ce que vous avez déjà les données sur cela? Ma deuxième question, est-ce que quelqu'un connaît bien le système russe de registration des noms, de changement des noms de toutes les données qui sont enregistrées en cas de changement de nom, en cas d'adoption? Parce que dans ce cas, il faut avoir des jugements. D'adoption, dans certains cas, ce n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de parents, c'est l'administration qui est responsable. C'est des choses techniques et pour cela, je pense que vous avez besoin des juristes de système russe qui connaissent bien l'administration parce qu'aujourd'hui, ça semble comme une grande caméra où on essayait de deviner des choses, mais le système est clair, il n'est pas transparent, mais c'est possible d'enquêter. Et deuxième commentaire, ce que je voudrais faire. Pour moi, c'est très difficile toujours parler de la société russe parce que je comprends que vous n'avez aucune confiance à la société russe dans la situation. Nous comprendrons, nous reconnaissons la responsabilité, en tout cas ceux qui sont contre la guerre, contre le régime de Poutine. Mais je voudrais vous dire que n'oubliez pas que les gens, et c'est très important de se souvenir, n'oubliez pas que des gens dans des régions, comme j'avais déjà dit, je viens de 1000 km de Moscou, ils sont sûrs parce qu'ils sont aveuglés, ils sont pasonnés qu'ils savent ces enfants. Et parce qu'ils pensent qu'ils savent les enfants, sauf les enfants, merci beaucoup, parce qu'ils pensent qu'ils sauvent les enfants, ça veut dire qu'ils sont prêts à garder la résistance devant le monde entier en étant sûrs qu'ils font bien et le monde entier font mal. Et pour cela, il faut chercher des moyens, il faut travailler avec des journalistes, il faut infiltrer des gens
il faut chercher des complices sur le terrain. Les gens qui connaissent le terrain, qui connaissent les familles, mais ça ne doit pas être ou vraiment, parce que, comme j'avais déjà dit, qu'en Russie maintenant, c'est une chasse aux sorcières. Chaque jour, les gens sont arrêtés, chaque jour, les gens sont torturés, et même si quelqu'un veut aider, ils ont peur. Mais il faut continuer ce travail aussi en disant non uniquement que vous êtes assassin, vous êtes tueur des enfants, vous êtes voleur, mais aussi nous croyons que vous aussi comprenez qu'il y a des parents de son enfant. Ça veut dire qu'en cherchant des mots, ce n'est pas facile, je comprends, en cherchant des mots pour les inciter. Et en plus, je pense que c'est un vrai travail de détective. Je vous rappelle qu'à l'Union soviétique, il y a une grande expérience à cacher des données personnelles. À partir de la guerre avec l'Espagne, beaucoup des enfants espagnols qui ont été apportés en Russie, ils ont changé le nom et certains d'entre eux ont connu leur identité plusieurs années plus tard. Moi-même, je suis née dans la ville secrète et je suis toujours dans mon passeport une fausse place de naissance parce qu'à l'époque, c'était l'industrie nucléaire et on a caché bien. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver votre vrai endroit de naissance. Mais chercher des complices parmi les Russes, pas directement, mais indirectement. Parce que les enfants, ils ne arrive pas dans l'espace muet. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qu'une enfant est venue de ça. Et les gens connaissent cela, mais il faut chercher des complices. Non, la réponse très rapide porte sur le décret pris présidentiel, donc pris par Poutine. De mémoire, je dirais que c'est en mai, précisément à la demande de Madame Lvova-Bielova, pour que ses enfants ne soient pas adoptés sous tutelle, c'est-à-dire une adoption qui n'est pas pleine, mais puissent obtenir la nationalité russe, donc être adoptés pleinement. Donc, oui, Poutine y a pensé, Lvova-Bielova y a pensé aussi. Voilà. Sur l'autre question, je vais laisser Galia, évidemment, vous répondre parce qu'elle a bien plus de compétences que moi. Mais précisément, nous avons des informations sur ces groupes informels, je pense, de populations qui ont aidé beaucoup de familles à sortir de Russie avec, en se cotisant pour leur offrir un billet de train, etc., ou plusieurs billets de train. Bon. Certains enfants, d'ailleurs, sont récupérés aussi par ce procédé-là. Bon. On va avoir besoin de Russie Liberté, mais beaucoup, vraiment, pour justement commencer à chercher sur qui on peut compter en Russie. Mais je laisse la parole à Galia, qui a évidemment les compétences que je n'ai pas. Oui, je pense qu'il faut créer en effet tout un réseau, parce que chaque adoption est documentée, chaque mise sous tutelle est documentée, chaque envoi dans un orphelinat, chaque changement de nom, tout est documenté et ce sont ces informations dont nous avons besoin pour continuer à exiger le retour de ces enfants le plus rapidement possible. Grossissez les rangs des associations qui se battent pour l'Ukraine, aider ceux qui le font dans leur travail. Et maintenant, la place à la musique.